Bonne année, hein, bonjour, bonjour, bonne année. Les gars, j'hésitais à faire cette vidéo, surtout que en fait c'est la première vidéo de l'année, je trouve ça vraiment dommage. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment représentatif de la vie que je mène actuellement. Autant en faire une vidéo, c'est marrant quoi. Voilà, je suis de retour avec mon ordinateur portable, mon PC n'est plus à la maison, encore une fois, c'est la troisième fois qu'il fait des allers-retours. Hein, vous vous souvenez cette fin d'année qu'on a vécu en vidéo ensemble? Vous savez, j'ai eu des problèmes avec mes disques durs, machin, il a dû repartir ici et ça. Et voilà, bah bon début d'année, hein, c'est reparti de plus belle. Bonjour. C'est qui? La police. C'est qui? Bah la police. Soit on part directement sur un tout nouveau PC, soit sur mon PC actuel, tu vois j'ai la RTX 2060S, ouais. Et en vrai, elle tient la route de ouf. Moi ce qui pose problème sur mon ordi, c'est le processeur. Minutes later. C'est une idée. Donc toi tu me suggères, Arthur c'est un commercial. Bah c'est le but. Ouais, commercial non. C'est le but. Pourquoi vous touchez combien là, à chaque achat? Zéro. C'est le DFC qui me paye. Putain. Et qu'est-ce qu'il a dit? T'es en train de me dire qu'en fait dans tous les cas, si il faut on refait une nouvelle config et il faut aussi une nouvelle carte graphique et tout ce qui va avec. Moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, au moins t'es sûr que tout bah, t'auras ouais. Pas de soucis. Ta carte graphique elle a déjà un certain âge. Non, je l'ai acheté en 2019. Ouais, elle va avoir 4 ans quoi. Déjà? En 2023 bientôt. Ah ouais. Mais non, non, mais non, mais non, mais non, la RAM on a pas besoin. Ah oui, t'as pas besoin. Mais oui, et merci L7C Fox. Je prends les 32Go de l'ancien PC et je remets les anciennes sur le... Let's go. Donc là t'en as pour 979. Super. Carte graphique. Ah c'est tout? Et les deux SSD. Mais y'avait pas un autre truc sur Amazon encore? C'est ça. Ah ok, bah tu peux... Ok bah vas-y, ferme-la. Vas-y, ça marche. Ok. Ah. C'est bon. Mais il est débile leur site. Comment ça? J'ai mis libellé de l'adresse, mon adresse, alors que je crois qu'il faut la mettre là. Oui, il faut mettre là l'adresse, libellé de l'adresse, c'est le nom de l'adresse, genre maison. Mais c'est complètement con. J'ai le plafond qui est pas très élevé. Il y a un problème. Le plafond a été atteint. Donc là les amis, on est le 31 décembre. Je suis en train de récupérer tout ce qu'il faut. Donc là, 1 Tera SSD. Comment il appelle ça Arthur? J'y connais rien du tout. Vous savez, c'est le truc au-dessus du SSD. Bref, donc 1 Tera x2, hein, bien sûr. La carte mère, c'est ça. Hein. Ça se trouve, ça s'appelle pas la carte mère et je suis un con. Et la carte graphique. Ouh. Ok, ça c'est pas mal. En fait, de compte, il reste plus grand chose à aller chercher. Je tiens un des trucs les plus fragiles d'un ordinateur. J'ai failli le faire tomber. Voilà donc le dernier colis de l'année, le Intel Core i9 12900 quelque chose. Je comprends rien du tout frérot. Par contre du coup je n'ai pas tous mes colis. Et c'est un peu le caca parce que rue du commerce c'est super chouette. Hein, ça y a rien à dire. Mais là je suis perdu et apparemment j'ai une commande qui est annulée alors... Bon, parlons peu, parlons bien. Déjà dans un premier temps, une bonne année à vous les amis. Joie, bonheur, santé, tout ce qu'il faut, tout ce qui... Voilà, le plus important c'est la santé. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien fêté vos fêtes de fin d'année. Moi pour ma part je me suis éclaté, ça s'est super bien passé. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Et ça fait du bien. Donc voilà, après 2023-2022, c'est qu'une question d'année, c'est que des jours sur des calendriers, ça change absolument rien. De passer du 31 décembre au 1er janvier, c'est la même chose. C'est comme si tu passais du 4 juillet au 5 juillet, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que tout va bien chez vous, que tout va aller encore mieux qu'avant. Je vous ai pas encore fait mes meilleurs vœux en vidéo, c'est vrai, donc c'est vraiment l'occasion. L'occasion également maintenant de vous expliquer les 3-4 premières minutes que vous avez vues, parce que c'est vrai que cette vidéo, pour le moment, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Vous l'aurez compris, là on va partir sur un tout nouveau setup. Alors pour expliquer en fait, donc là j'ai mon ordi portable, heureusement il est là, sinon cette vidéo ne verrait pas le jour. J'ai mon autre ordinateur qui lui il est chez Darty, donc je le récupérerai peut-être courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine, soit avec toutes mes sauvegardes comme avant, ou soit je récupérerai le PC comme il est, et puis c'est pas grave, on se démerdera avec les pièces, etc. Par contre d'un autre côté, on a commandé avec Arthur, que je remercie énormément, on a commandé du coup plein de composants pour monter un tout nouveau setup de A à Z, comme vous l'avez compris.
compris. Pas assez dormi ou quoi? Bah on s'est couché à 4h et je me suis réveillé à 8h. J'ai la moitié des composants à la maison, il me reste encore l'alimentation, le boîtier, il me manque encore le refroidissement, j'ai la carte mère, j'ai le processeur, j'ai la carte graphique. Les RAM, je les ai pas encore parce qu'en fait ils sont dans l'autre ordi qui est chez Darty, mais je récupérerai les RAM là, donc les RAM que L7C Fox m'avait envoyé. Bref, vous l'avez compris. Dans tous les cas, je ferai une nouvelle vidéo du montage quand on va monter le PC avec Arthur, puisqu'on va le monter ici sur place dans les prochains temps. Et en fait, entre temps, il n'y aura pas de nouvelle vidéo parce que je peux pas vous fournir de vidéo de fou quoi. Donc je suis un petit peu dégoûté. Pareil, malheureusement, il n'y a pas de live pour le moment parce que je peux pas vous faire des lives. Tout simplement, je peux rien vous faire. Je peux que vous faire des vlogs, en fait, tout simplement. Donc c'est un petit peu le seul truc que je peux faire en création de contenu. Et c'est bien dommage pour le moment. Donc si ça vous intéresse, alors non pas que je referai une vidéo setup parce que vous connaissez tout mon matériel, ça va pas bouger. Mais par contre, quand on montrera le PC, je vous montrerai et vous expliquerai tous les composants que j'ai. Donc quelle carte graphique, quelle carte mère, enfin la carte graphique vous l'avez vu de toute façon c'est la RTX 3080, mais bref voilà tous les composants je vous les présenterai, il n'y a pas de problème, et puis voilà c'est comme ça en tout cas que l'année commence pour moi, un petit peu détaché malheureusement de YouTube et de Twitch, donc c'est vraiment dommage, par contre dès que j'aurai le PC, je peux vous assurer que ça va charbonner, ça va être du stream double PC, ça va être, non vraiment ça va vraiment y aller, et je suis très très motivé. Là pour le moment je peux rien faire, mais en tout cas quand j'aurai tout ce qu'il faut je vais être très très motivé à vous proposer le maximum de tout ce que j'ai jamais pu faire avec des beaux projets. Je peux déjà vous parler du mois de janvier où on va être vraiment focus sur Minecraft, mais par contre je peux également vous parler du mois de février. Vous savez il y a un jeu qui va sortir et j'ai enfin pu avoir des accès assez intéressants. J'en dis pas plus, en tout cas voilà, je suis très content et je vous tiendrai évidemment informé. Mais il va y avoir de l'exclu et ça fait plaisir. En tout cas les gars, je vous souhaite une très très bonne année à vous encore une fois. Prenez soin de vous, profitez bien, kiffez la vie au mieux. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. Et à très vite, ciao.